Aujourd'hui, je vais rencontrer deux nouveaux joueurs de Rayman Legends, Enigma et Poseur. Ils sont tous les deux français, donc c'est pour ça qu'on va parler français pendant toute la vidéo. Mais n'oubliez pas qu'il y a des sous-titres disponibles. Cette fois-ci, c'est moi qui vais devoir bouger, et on s'est donné rendez-vous à Paris, et Enigma va m'héberger chez lui une nuit, et je repartirai le lendemain. Même si c'est la troisième fois seulement que je vais à Paris, l'objectif c'est en profiter un maximum avec Enigma et Poseur, donc on n'avait pas forcément prévu de visiter la ville ensemble, on va plus faire des trucs Rayman. D'ailleurs, pendant toute la vidéo, on va s'appeler par nos vrais prénoms, donc Enigma c'est Léon, Poseur c'est Pierre, et moi c'est Tristan. Des vrais noms français. Bon, on part de Lyon-Pardieu, direction Paris-Gare de Lyon. Alors, j'avais juste pas prévu un truc, c'est que j'avais réservé une place dans un couloir que je pensais isolé, mais non, il y a un mec en face de moi, donc c'est génial, j'aurai quasiment pas de place et de tranquillité. Chers voyageurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Paris-Gare de Lyon. Nous arriverons à la voie 23. On aura pas un mot. Apparemment, c'est voici, pas pour 23. Ok, Enigma ne me rassure pas du tout, je lui dis qu'on est voie 23, il attend devant la voie C. J'ai mal entendu ou quoi? On peut avoir un replay? Nous arriverons à la voie 23. Bon, on est arrivé, mais par contre, ça m'inquiète là. Pourquoi il a dit voie C alors que là je suis vers 23? Attends, je vais sortir et on va voir. D'ailleurs, pour savoir si on va se reconnaître, le truc c'est que il m'a jamais vu. Je crois que j'ai une photo de lui il y a 2 ans. Mais je sais qu'il est très grand, il fait 1m86, donc normalement il devrait être visible. Regardez, à tous les coups il sait. Il est là, non mais c'est pas possible. Quel ennuyage. Bon, ensuite j'ai voulu le rejoindre, sauf qu'en fait on s'est croisé car il attendait devant ma voie. Bah oui. Bon, il est grand, il me dit qu'il est habillé avec des vêtements noirs. Ce gars correspond aux critères et a l'air paumé, c'est bon, je l'ai trouvé. J'envoie donc quelques messages en MP Insta. Ça va? Ouais. Du coup, je t'ai pas du tout reconnu, c'est incroyable. Moi non plus, mais bon. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Putain, par contre, là, je me suis dit, pourquoi il parle de voie C, là, chez voie 23? Et j'ai dit, attends, mais je suis sourd ou quoi? T'es Olin, en fait. Et en fait, là, je vois Olin, je suis en mode, oh putain, le con. Je suis monté, je suis arrivé, j'étais au 1 et je dis quand même demandé peut-être de la vente 3, c'est la vente 3 de l'alphabet. J'ai demandé, ils m'ont dit vous êtes cool ou quoi, c'est le hall 3. Alors qu'as-tu dire au monde entier? N'hésitez pas à me follow sur. Alors ça du coup non, je ne vais pas le mettre. Bon, il a quoi d'autre à dire? Et les meufs, venez snap. Ouais bon ok, je te fais plus confiance. C'est tout. Ouais parfait. RTX. Parfait. Bon alors maintenant faut juste attendre Pierre là. Pierrot. Si il va venir Bah je sais pas, il a pas de RERB, ça fait longtemps, hein. Ça fait 4 ans qu'on se connaît là. Ouais. 2019. Ah 2019, une autre époque. Léonties, guys, if you don't know, he helped me play Rayman Legends back in the day when I was 10 years old. He is a Chad. Go subscribe to him and also me because. Yes. Ah RER. RERB, c'est Garde Nord. Attends, mais ça veut dire qu'il va arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Enigma était paumé avec les trains et les métros qui passent dans cette gare, car il m'avait dit que le métro 2 passait par Paris-Gare de Lyon, alors que, bah en fait non. Et là maintenant, on voit qu'il n'y a que le RER A et D qui passe par Paris-Gare de Lyon. Mais attends, mais vous êtes tous cons là, à pas savoir votre réseau là? Non, mais... Mais Poseur, il sait pas non plus. Métro 14, ça existe pas, métro 14, ça fait 2 ans qu'il existe, même pas, peut-être pas. Ah, ouais, il y a répondu, vous êtes déjà arrivé, mon arrivée est prévenu, et prévenu aux alentours de 30. Pourquoi ça m'étonne? Bon, ça m'étonne pas. Attends, j'ai demandé, tu prends quel RER? Bah, je prends le B. Attends, il y a le A et le D. Non, mais on peut prendre. À Paris-Lyon. Non mais ça se trouve il a merdé. Non mais ça se trouve il parlait du D, j'ai compris B, je sais pas. Hein. C'est bien, je suis avec Craftendo là. Le vrai Craftendo. Mais ouais. Le vrai Tristan 69P. Attends, on va regarder les DM avec Poseur. Quelle gare? Gare de Lyon et RERB. Ouais, je suis pas fou. Mais regarde, je dis quelle gare, j'ai gare de, et il dit gare de Lyon. Donc en fait là, soit il y a un passage secret comme dans Harry Potter là, soit il est con. Ouais. C'est pas impossible. Après, c'est tous les deux. Je sais pas. Peut-être qu'il va juste arriver par là, toi.
En fait, il a pris le métro 14 que tu connais pas. Ah, attends, il est en train d'écrire. Alors, quelle dinguerie il va nous sortir. It's not. Là, alors, je suis dans le C. Ban, attends, il est dans le C. Je descends à la bibliothèque. Mitterrand dans la station. Ensuite, la 14. Ah bah... Oh non. Waouh, la dinguerie. Oh, je décolle. Alors, bibliothèque François Mitterrand, ça veut dire que il va arriver par là-bas. Ça serait trop drôle qu'ils prennent les escalators là. Ah mais c'est les escaliers en plus. Faut pas qu'on nous... Mais non mais il y a 40 mètres de sortie. C'est impossible qu'on chope. Attends, je peux lui dire qu'on est devant la... qu'on est à la station de Gare de Lyon. Le moment de vérité. Imagine, on vient de le voir et c'est gênant. Non, attends, je vais regarder l'heure. De toute façon c'est le prochain qui arrive, je crois. Il y a quand même un peu d'écran Rayman. Oui. Ah mais wesh. Ah mais non mais t'as été là. On se disait oh, t'es dans le prochain, bah non. Bon, et ben du coup. Alors, explique-nous là. Explique-nous pourquoi t'es arrivé. C'est quoi tes retards et tout là. Déjà tu nous as dit que tu prenais le RER B hier. Ouais. Et finalement tu prends le RER C, tu prends le C. Et là on se dit mais attends il va arriver à la gare de Lyon avec le B ou le C. Écoutez, c'est une histoire assez compliquée. Voyez-vous monsieur, je comptais prendre le RERB pour me rendre au lieu de rendez-vous comme prévu. Cependant, il y a des travaux sur la ligne qui arrivent au RERB et je vois un train. Je vois les bus de remplacement, tout ça. Ouais, allez. C'est bon. entre la station, enfin entre les stations, il y a les travaux, tu vois. Et normalement, avec le train, c'est à peu près 3-4 minutes, vite fait. Et là, je vois, je regarde les trajets du bus et je vois, il y a marqué 25 minutes. Ouais. C'est arrivé à midi passé, tu vois, du coup, j'ai changé l'itinéraire. Et voilà. Une fois les retrouvailles de fête, on a commencé à parler de Rayman comme le très récent King of the Hill, car on a tourné cette vidéo fin juillet. Et d'ailleurs, on peut voir qu'on peut totalement faire confiance en Enigma pour savoir quel métro prendre. On est grand pauvre. J'ai un début de tête. Bienvenue à Paris. On est pauvre. Et du coup, je crois que c'est le premier vrai meet-up IRL à 3 du coup, pour des joueurs Rayman. Ouais. Parce qu'à chaque fois c'était genre 2-2-2-2. Il y a Rasta, tout à pied. Une fois qu'on a retrouvé notre chemin, on a décidé de manger tacos et d'aller chez Enigma. On peut d'ailleurs y découvrir son sell-up de fou. Ah c'est génial, vraiment, on a l'impression que t'as le fun. Et ça te fait mal du coup ça? Non c'est pas en vrai. Non mais vraiment j'ai jamais vu ça de ma vie. Genre vraiment. On a ensuite essayé de jouer tous les trois en training room au dojo. On avait prévu de faire du dojo 60 en trio, du dojo speed weekly avec Murphy et du dojo 60 duo avec Murphy. Mais ça se n'est pas passé aussi bien que prévu. En fait, je pense qu'il faut s'organiser pour chaque room. Ouais, 3 heures, t'as le temps de mémoriser toutes les rooms. Non, mais alors, je suis désolé, il restait 30 secondes, t'es déjà à 500 rooms. Pourquoi? 528, il reste 32 secondes. 558, ouais, 558. Ça, ouais, ça, t'es plus, hein, en vrai. Elles sont pas ouf, vraiment. Ouais, mais il faut trouver le bon layout, quoi. Ouais. C'est ça qui est chiant. On réessaye ça ou pas? Non, non, clairement. Bah. Comme si. Ouais. Oh, s'il vous plaît. Vas-y, c'est quoi ça? Wesh. On s'est rendu compte que c'était beaucoup trop dur de faire le record du monde. On a donc décidé de passer sur du weekly challenge dojo avec Murphy et le tout enregistré par un caméraman qui va aussi jouer le rôle de Murphy. On va éviter de refaire les mêmes bêtises qu'avec Pied. Celui qui fait Murphy, il va aussi enregistrer, ça sera bien plus simple. Ici, c'est Poser qui va faire le job. Pas mal. Ça, c'est déjà record. Mais je crois qu'il n'y a pas d'écrit hein, sur le spread. Si, les Murphy, c'est marqué. Ah ouais? En solo, en coop, il n'y a rien. Et en solo non plus. Ah bah c'est bien. Donc là on peut essayer de traverser le... Ouais mais il a, la Zimum elle est pas terrible hein. Ouais, on change le layout. Ouais on change le layout. Le Cobzib. Je sais pas.
Non mais... Wesh, mais... Tu peux peindre avant d'ailleurs, hein. Tu peux commencer... Voilà, ouais. Wesh. Mais pourquoi tu fais pas le cop zip? Mais j'ai essayé. Mais faut bouger là. Non mais tu veux pas qu'on essaye? Mais oui, mais j'ai essayé, mais j'ai pas sauté à temps en fait. Faut sauter, ouais. Non mais faut pas kick. Mais ouais, mais... Tu fais un petit saut, tu fais un petit saut ici. Ah, c'est un petit saut? Voilà. T'as bien là. Ouais. Ah ouais. Oh, fait, oh non, pas cette room là. Ah mais là on peut cop zip. Oh ouais ouais. On est trop con. Non. Faut que tu peux, ouais, tu fasses dans l'autre sens. Ouais. Donc, juste pour voir où on va venir en fait. Là. Ah ok. Dans la file. Là. Ah, ouais. Normalement vous y avez, normalement vous avez avant, fini là. Mais c'est parce que j'en ai raté. Des... Ouais. Cop zip. Tac. Wesh. Ouais, faut sauter. Tu vois. Ouais, c'est bon toi. Wesh. Je vais tout le temps à gauche quand il y a une room. Ok, tout le temps à gauche. Wesh, déjà 9.05. Mais c'est largement améliorable. On fait 2 cop zip du coup. 3. La cop zip. Non, ouais. C'est comme ça, c'est juste de la chance en fait. Ouais, c'est juste de la chance, c'est vraiment juste de la chance. Ah bon? Oui, enfin c'est vraiment, enfin RNG... c'est un bon timing quoi, mais c'est compliqué. Donc tu vas rester là longtemps un peu. Hein. J'ai oublié, là aussi il faut cop zip. Putain! Wesh! 7.46! Moi je dis on peut subset large. On peut subset large. Oh, c'est un bête de layout, wesh! T'as vu, ça me rend un rire. Hein? Ouais, mais faut que tu kicks. Bah oui, mais je sais pas qu'on kick en fait, c'est ça le truc. Mais c'est vrai, vraiment, faut vraiment le delay. Vraiment quand tu vois que tu TP. Let's go. Allez, subset. Let's go. C'est améliorable en vrai. Parce que j'ai raté la room. Tu veux qu'on réessaye? Ouais, je pense. Une frais, on aurait pu faire 6-6-6. C'est bien, là. Ouais. C'est bien. Il a combien le record? Bah c'est ça le record. Il y en a pas. Ah ouais, c'est ça. Bon, en vrai, c'est en vrai, ça devrait aller parce que... je crois que c'est 4.98. Ah mais non, mais oui. Ah, ouais. c'est, il a sub 4. Hein. Ah oui, il y a le papa, il a sub 4 en tout cas. Ouais, ouais, il a sub 4. Hein. Bon, ouais. on continue ou pas? Là, en vrai, c'est bien, là. Ouais, parce que genre... Après, on pourrait tryhard et essayer d'avoir un layout, tu sais... Avec la room, avec le bumper et 40 milliards de loups au début. Ah oui, parce que les bumpers ils rapportent aussi. Bah, on avait ça juste avant, mais on avait une deuxième room de merde. Finalement, on n'a pas amélioré et on est passé sur du dojo 60. Non mais. Vas-y, en fait, c'est le droit de pose. C'est le droit de pose. Tu vas à gauche. C'est quoi le record de round time du coup? C'est 1130, je crois. Ah ouais. Là, vous étiez vraiment en train de battre en fait. Ouais, on était. Non, putain, mais meurs. Tu vas à gauche. Tu vas. Ouais, je vais à gauche, t'inquiète. Ouais, tu vas à gauche. Je vais à gauche. Ouais, il pue la merde. Bon, en fait, faut trouver un layout où tu sais, où t'as plein de bumpers. Ouais, ouais, c'est ça. Ça baisse du coup. Bah, la room où il y a 30 bumpers, ce serait bien, ouais. Putain, mais à chaque fois, t'es nul, t'es nul. T'es nul, t'es nul. T'es nul. Non. T'es nul, non. T'as même le cadrage, il est parti en tout. Oh, faut faire ce layout, faut faire ce layout. Faut le faire. Mais tu mets quoi, frère? T'as pas vu le reste du layout? Pourquoi tu l'as fait? Ouais, non, le layout, il est pas assez rapide. Bon, on essaye de faire une pause car on avait un peu mal au cou et Enigma prend la caméra. Ah ouais, faut que je tienne une main. Ouais. Oh, c'est chaud. Attends, comment on fait? Bah, je sais pas, quand tu vas sur internet et que t'es... Quoi? Tu viens à une main. Ouais, moi, ouais. Eh, hey, je vais cadrer comme une merde, je vous le dis. Après, Tristan, tu peux la mettre un peu. Ah, y'a des bugs. Oh, frère, t'as bien. Mais la perspective. Ouais, ouais, mais... La perspective.
T'es nul. Moi, la j'avoue, la perspective, c'est chaud. Moi, et vous êtes éclaté. On est trop bien en fait. Merde. Oh, vous êtes chaud, hein. Ouais, on est trop chaud. Vas-y, on est quoi? On est top 5 joueurs FR. On sait même pas faire un truc de un... Ouais, bref. Oh merde, mais j'ai capté le mauvais endroit depuis tout à l'heure. Dans le site. Ouais, je vais. Ouais, je... Oh. Oh putain. Oh putain. Oh merde. Mais toi, tu fais quoi là? Y'a pas le temps. Putain. Enfin, non, ouais. On aurait eu 900, un truc comme ça. Ah, parce qu'en plus, dis... au début, on a fait de la merde. Hein. Laisse-moi faire le layout, s'il te plaît. Parce que. En vrai, c'est un bon layout. Eh, en vrai. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Bonne année, là. Hein. Allez. Et en vrai. Oh. On a réussi. Let's go. Wesh. Attends, faut que je regarde. C'est 1130, hein. 1125. Wesh, le clutch. Attends, et le record solo, c'est 1146. Par solo. Victor. Ouais, mais solo, on va le battre. Ouais, mais on va aussi le battre. Mais on peut le battre en vrai aussi. Ah, oui, non, mais là, faut le battre. Là. Wesh, le clutch de zinzin. Eh, la run, elle était bien en vrai. On a un peu plus de la mousse, je crois, mais pas beaucoup. Pas beaucoup de temps, surtout. Vas-y. On en a plus, hein. Beaucoup plus. Ah ouais, il y a beaucoup plus, mais j'avais pas de temps. S'il y avait plus de... Hey, gros, on peut faire 1300. Mais alors, au pire, tu fais la room avec les bumpers. Mais faut... Comme ça, je vois pas. Tu bouges pas, toi. Thierry se dit pourquoi je suis venu. J'aurais pu rester chez moi, jouer à... Je sais pas quoi. Ouais, jouer à ma fille. Regardez les gars nuls, ils se font que rater. Je sais pas faire un rock jump. Oui, tu veux dire. Mais toi, tu savais pas me faire un spin dash. Pourquoi tu parles? J'ai eu peur. C'était chaud. S'il te plaît, bravo. C'est trop fort. Je t'aime. C'est trop fort. C'était chaud la peau là. Ouais, vraiment. En fait, cette room là elle est compliquée comme ça par dans tous les sens. Attends, c'est là. Ok. J'ai eu très fort. Fais exprès. C'était pour être sûr de pas. Brûlez-lui. Allez, les gars. Allez. Désolé, pardon. Allez, on prend notre temps. Ok. Juste reste de moi. Alors que je n'ai pas. Ok. Va en haut. Ok. Oh là là. GG. Ouais. Allez, on a enregistré. Oh là, incroyable. Guys, don't forget to subscribe to Craftando, Enigma and Poser 237 de Murphy. Ah, bravo. J'ai trop les moments pour ce check et donner. Putain, incroyable. Et bravo aussi à Poser qui a enregistré. C'est carré. Alors, on pue la merde. Après cela, on a voulu faire du coop et Enigma a eu l'idée de faire du 1-5 en coop. On a rapidement eu cette run qui n'est pas trop mal, mais largement améliorable. Pour vous donner une idée, j'étais Tensi, Poser était Globox et Enigma était Rayman. Mais on s'est rendu compte que Poser était plus consistant avec Rayman qu'Enigma. Donc on a échangé les rôles pendant quelques runs. Ah oui, comme je jouais Tensi, j'ai décidé d'enregistrer la réaction de la tête d'Enigma. Yeah.
Allez. Oui. Oui. Delay. Oui. Putain, je laisse ça dans ma... Mais qu'est-ce qu'il fout? Il a arrêté de courir. Ça va aller. Non, c'est très grave. Ça m'est jamais arrivé. Il a arrêté de courir. Circo-moi. Il arrête de courir. Ron Bulver, il arrête de courir. Je t'assure que tu as plus jamais voulu. Bon, après, on a repassé la manette avec Rayman à Enigma, mais il était trop nul, donc on a refait confiance en Poseur. Tu fais ça, mais tu sais que t'as tout est fait, c'est ça, hein. J'ai jamais fait comme ça. Alors, comme ça précisément, effectivement, mais ton break boost, tu l'as fait plein de fois. Oui! Oh putain! S'il te plaît! Au train! Oui! Mais pourquoi tu sais pas presque? Mais attends, déjà lâche la... Attends. Recommence, mais je veux juste aller à la fin. Je te jure que j'aurais jamais fait ça. Et puis, peu de temps après, on a abandonné. On n'a pas réussi à améliorer. On a fait du Kung Fu sur Switch, mais on s'est rendu compte que seuls deux Switch peuvent se connecter à la fois, ce qui est débile, genre à partir de 3, ça ne marche pas. Mon petit doigt dit que c'était prévu qu'on puisse jouer à 3, mais c'est juste encore un énième bug d'Ubisoft. On a l'habitude. On a quand même fait des matchs, même si on n'a pas les voix dans l'enregistrement, mais j'ai défoncé Enigma. Puis après, Enigma a fait du Landlum sur PS4, puis on se rapprochait de la fin de la journée, jusqu'à qu'on a eu l'idée de faire du TAS. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. On s'est vraiment éclaté avec Poseur et Enigma, c'était incroyable. Pour pas manquer la suite et pour voir la run avec TAS qu'on a fait, abonnez-vous avec la notification. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. On n'aura pas beaucoup d'opportunités de refaire ce genre de vidéo, mais je ferai de mon mieux pour rencontrer un maximum de gens. Sur ce, je vous dis rendez-vous à la prochaine. Bye bye.